Alors, j'ai la lourde responsabilité d'ouvrir le colloque. Et donc, pour ce faire, je vais essayer de présenter un certain nombre de concepts, de notions qui étaient présents au sein de la problématique du colloque. Et donc, vous proposer certaines définitions. Mais en bonne joueuse, ma conférence ne porte pas sur le jeu, mais sur la ludification. Donc, on va aller aux frontières du jeu avec la ludification. Donc, première partie. Évidemment, on le sait, il y a des nombreux problèmes de définition et de traduction de la ludification, la gamification, la ludicisation, etc., etc. Donc, on va s'entendre ici sur cette définition-là assez simple, mécanique, habituellement associée au jeu dans des contextes extérieurs au jeu. On va fonctionner avec ça pour le reste de la présentation. Et donc, on va parler de stratégies de ludification qui vont être au sein d'un objet, d'une situation, de parole, etc. Ça peut concerner toutes sortes de dispositifs, et dispositifs, je l'entends dans un sens très large. Et donc, il y a des paramètres qui sont associés au jeu avec, évidemment, des relations formelles du joueur au jeu. Et donc, on va voir comment ça s'articule au sein de la ludification. Donc, si on se donne des critères catégoriels, on peut partir des affordances. Donc, qu'est-ce que des affordances? Ce sont ce que l'environnement offre à l'animal ou au joueur, on pourrait dire, et complémentarité du joueur à l'environnement du jeu. Donc, ça, c'est la définition générale d'affordance. Évidemment, on peut étudier les affordances de la structure ludifiée par rapport au sujet, c'est-à-dire par rapport au joueur, et voir ce qui est possible, ce que la structure offre par rapport aux compétences du joueur, par exemple. On peut nommer ces affordances-là avec du vocabulaire qui est plus propre peut-être aux études du jeu. Donc, je vous propose l'espace d'appropriation, un concept avec lequel je suis plus à l'aise. Et donc, l'espace d'appropriation, un lieu de reformulation et de reconstruction du sens où le joueur perçoit, interprète et médiatise le jeu pour ensuite y interagir. Et donc, évidemment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'espace d'appropriation, donc les affordances, si on veut, sont potentiellement actualisables, c'est-à-dire qu'il faut que le joueur veuille bien ou ait les compétences pour actualiser cet espace d'appropriation-là. Et donc, il est virtuellement grand ou il est restreint, dépendamment de ce qui va être actualisé. Donc, c'est toujours une potentialité là, qui est offerte au joueur. Donc, une première catégorie pour essayer de définir la ludification, on peut y aller par le type d'espace d'appropriation qui est offert par l'objet ludifié, la structure ludifiée, la situation, etc. Une autre catégorie, ce serait l'agentivité, qui va habituellement de pair avec les affordances. Donc, si les affordances, on part de l'objet pour aller vers le joueur, bien avec l'agentivité, c'est le contraire, on part du joueur pour aller vers l'objet. Et donc, qu'est-ce que l'agentivité? La puissance d'agir d'un individu, sa performativité dans un contexte qui est régulé. Et donc, l'agentivité de l'individu par rapport à une structure ludifiée, peut-être qu'on peut observer comme chercheur pour essayer de définir la ludification. Un autre terme auquel on est plus habitué en étude du jeu, ça va être celui de distance. C'est celui que je vais adopter pour le reste de la présentation. Et donc, qu'est-ce que la distance? C'est l'attitude ludique comme tentative volontaire de surmonter des obstacles inutiles ou comme distance entre le joueur et le jeu. Donc, c'est la distance que va se ménager un joueur par rapport à une structure ludifiée. Et donc, si précédemment on avait des balles, pour parler des affordances, donc des balles qui offrent énormément d'affordances d'une manière potentielle, c'est-à-dire qu'on peut jouer ou créer des structures ludiques presque à l'infini avec quelques balles. Mais ici, c'est une branche, et donc les enfants, si on prend le concept de distance, créent une distance et ont une attitude ludique, et une simple branche d'arbre devient un jeu, et donc une structure ludifiée pour des enfants. Donc, on voit bien l'articulation entre affordance et agentivité, espace d'appropriation et distance. Donc, on va fonctionner avec espace d'appropriation et distance. Donc, pour catégoriser la ludification, on peut partir des affordances, c'est-à-dire des types d'espace d'appropriation virtuellement actualisables par l'individu, ou l'agentivité, c'est-à-dire la distance que l'individu se ménage par rapport à une structure ludifiée. Et donc, je vous propose des catégories qui vont être définies à partir du rapport du sujet à une structure ludifiée, c'est-à-dire le type de distance que le joueur va se ménager par rapport à un espace d'appropriation potentiellement
actualisable. Et donc, je propose deux catégories, la ludification bihaviorale et la ludification créatrice. Et là, je mets un astérix parce que j'ai changé à peu près 18 fois le nom de créatrice. Je ne suis pas tout à fait sûre du terme. Et donc, tout ça, je serais très heureuse d'avoir des échos, voir ce que vous en pensez, des propositions. Mais disons, allons-y avec créatrice à partir de la définition du dictionnaire. Donc, la puissance qui crée, ce qui tire quelque chose du néant, considéré ou non comme une personne. Donc, partons avec bihavioral et créatrice comme deux catégories pour penser la ludification. Et donc, qu'est-ce que la ludification bihaviorale? Je la définis comme suit. Comprendre le comportement observable d'un sujet au sein et avec son environnement pour changer ses comportements avec des stratégies de ludification. L'exemple classique, c'est le BLAP, donc les Badges, Leaderboards, Achievements et Points. Et donc, toutes sortes de plateformes qui vont utiliser ces stratégies-là, donc de donner des badges selon des comportements qui vont avoir été faits pour récompenser, soit des tableaux de classement pour essayer de créer une compétition, puis encourager un certain type de comportement, faire des accomplissements, donner des points, etc. Et donc, des entreprises comme Badgeville et autres vont créer des plateformes de ludification utilisant des stratégies bihaviorales comme le Samsung Nation, où est-ce que là, c'était carrément encourager un comportement simplement d'aller visiter un site web où l'on va donner des badges et autres pour conditionner un comportement. Et donc, c'est des stratégies souvent employées en marketing, évidemment, pour conditionner un comportement du client ou de l'employé en entreprise. Évidemment, ça fonctionne par motivation extrinsèque, c'est-à-dire qu'on va donner des récompenses ou on va agir par renforcement. Les renforcements peuvent être positifs ou négatifs, comme ici dans Farmville, un exemple de renforcement négatif, c'est-à-dire que si vous n'allez pas cueillir à temps vos récoltes, elles vont disparaître. Et donc, vous perdez quelque chose si vous ne faites pas l'action. Et donc, c'est des stratégies de renforcement d'autant plus fortes qui fonctionnent très, très bien. C'est pas étonnant que ces petits jeux-là deviennent très addictifs. C'est des stratégies qui fonctionnent très bien pour conditionner des comportements et nous amener à nous connecter 12 fois dans la journée pour être sûr de ne pas perdre nos récoltes. Et ces stratégies-là sont aussi utilisées en marketing pour conditionner certains comportements. Et donc, Lynn Ham va nous dire « Through modifying the environment and giving suitably motivating rewards, the behavior of players can be changed for their own benefit or that of their corporate masters. » Donc, je pense que c'est assez clair l'objectif qui est tenu avec la ludification bihaviorale. C'est basé sur la psychologie bihaviorale, les théories économiques de l'acteur rationnel, la cybernétique avec les boucles de rétroaction, etc., etc. On vient conditionner un certain comportement. Évidemment, ça implique une certaine conception plutôt limitée de l'être humain. On n'est pas loin du chien de Pavlov où on est capable de nous conditionner à adopter certains comportements à travers ce genre de stratégie-là. La ludification créatrice, je la définis ainsi, proposer une expérience significative au sujet grâce à des stratégies de ludification afin de contribuer à son mieux-être, stimuler sa créativité et favoriser des rapports sociaux stimulants. Et donc, ça fonctionne par motivation intrinsèque. Donc, Ryan et Dicci, qui ont beaucoup travaillé sur les questions de motivation, vont parler de confiance, autonomie et appartenance comme étant les trois notions clés de la motivation intrinsèque. Et donc, Nicholson va nous dire « Meaningful gamification is the use of gameful and playful layers to help a user find personal connections that motivate engagement with a specific context for long-term change. » Et ça, c'est la clé, alors que la motivation extrinsèque va agir principalement à court terme, la motivation intrinsèque va agir à long terme. Et donc, Nicholson a créé le recipe, donc c'est sa recette pour de la ludification qui va agir avec la motivation intrinsèque. Et donc, il va parler de réflexion, d'exposition, de choix, d'information, de plaie, d'engagement. Et donc, des concepts, des notions clés pour essayer de penser la ludification créatrice.
Et donc, évidemment, une conception plus ouverte de l'être humain, où tout est possible, où la création est valorisée. Et ici, j'aime bien cette œuvre de Molly Nagy qui a été créée en utilisant des instructions qui étaient envoyées par téléphone. Et donc, là, l'artiste se donne une contrainte supplémentaire, joue avec les possibles, et donc, on arrive même à créer une œuvre en jouant avec des contraintes supplémentaires, celle d'une médiation ludique. Et donc, évidemment, ce sont deux pôles d'un continuum et ce sont vraiment les extrêmes. Hein. Et donc, la ludification behaviorale, le degré zéro, on peut dire que c'est tout le système de points. Vous venez boire un café ici, je vous donne un point, vous revenez, je vous en redonne un autre. Et une fois que vous avez 10 points, vous avez un café gratuit. C'est un conditionnement, c'est de la ludification behaviorale, c'est largement utilisé et on a intégré ça, on se demande même plus qu'est-ce qu'on a à faire comme consommateur. Et des fois, on va faire un détour pour aller chercher notre point dans le café X alors que le café Y est à côté. Donc, c'est des stratégies qui fonctionnent très bien, c'est vraiment le degré zéro de la ludification behaviorale. De l'autre côté, la ludification créatrice, bien, on pourrait mettre comme pôle ultime bien, le jeu comme éthique de vie, c'est-à-dire on dans la vie de tous les jours, il y a des règles, des contraintes, bien, on peut considérer ces règles-là comme des règles d'un jeu et se ménager un espace de liberté, un espace de création nous permettant de réinventer notre vie au quotidien et donc d'en faire une éthique de vie. Évidemment, deux pôles très, très éloignés l'un de l'autre qui va faciliter la démonstration pour la suite. Donc, langage et communication, je trouvais ça intéressant parce que je pense que c'est une des premières fois que je voyais un appel à communication qui posait explicitement le jeu comme acte de communication. Et donc, étant professeur en communication, ça me faisait plaisir de pouvoir enfin parler de communication pour parler des jeux. Et donc, voyons comment peut s'articuler langage et communication avec la ludification. Mais évidemment, la ludification peut être vue comme un langage. On peut communiquer avec la ludification. Et donc, qu'est-ce que le langage? Bien, le langage, c'est tout système organisé de signes symboliques. Et donc, il peut y avoir une codification faible à une codification forte. Et donc, un renvoi, une stabilisation du renvoi arbitraire du signe au sens, c'est-à-dire la langue est le meilleur exemple. C'est de manière arbitraire que le mot chat renvoie à l'animal. Ça aurait pu être cat, gâteau, etc. Et donc, mais à partir du moment où on s'est entendu collectivement sur une stabilisation du sens, c'est ce qui nous permet de communiquer. Et donc, l'image du haut, évidemment, une codification faible, on va avoir toutes des interprétations différentes, alors que l'image du bas, malgré qu'elle soit originale, qu'on ne l'ait jamais vraiment vu, on comprend tout de suite ce qui est signifié là parce qu'on va utiliser une codification très forte qui est associée au sigle des toilettes. Et donc, le langage de la ludification, un système organisé de signes culturellement associés au jeu. Donc, le langage de la ludification. Et donc, dans un contexte communicationnel, on peut communiquer sous forme de messages ludifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, qu'on va avoir une interprétation qui va être plus ou moins contrainte ou plus ou moins créative, dépendamment de l'espace d'appropriation ou de la distance que l'interprète va se ménager face au discours, face au message ludifié qui va lui être envoyé. Deux pôles de la ludification que je vous ai présentés. Donc, du point de vue behavioral, évidemment, l'espace d'appropriation et la distance sont restreints. Hein, repensez au système de points, il n'y a pas beaucoup de marge à l'interprétation, on ne peut pas beaucoup se distancier par rapport à ce message-là qui est ludifié. Au contraire d'une ludification plus créatrice, où là, on peut avoir un espace d'appropriation, une distance qui peuvent être virtuellement large et réinventer le sens par l'interprétation. Et donc, reprenons nos deux pôles, la ludification behaviorale, une interprétation plus contrainte, et la ludification créatrice, une interprétation beaucoup plus libre. Ainsi, communiquer à l'aide de messages ludifiés, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, évidemment, la communication, il y a des centaines de définitions. J'en ai pris une qui est quand même assez simple. Ce qu'on nous dit, c'est que la communication est complexe par le fait qu'il y a toujours deux constructions de sens, celle de l'émetteur et celle du récepteur. Cela nous conduit à devoir bien identifier l'information structure du destinataire et le fond commun d'évidence qui existe entre lui et l'émetteur. Et donc ici, si je vois ce petit gâteau et que je dis que ce gâteau est écœurant,
Bien, Gabrielle, qui est québécoise, va comprendre que ça veut dire qu'il me tente beaucoup, que j'ai l'air, je voudrais le manger. Et Sébastien, qui est français, va penser que je le trouve dégueulasse. Et donc, il faut que je m'adapte, que je comprenne la structure, que je sache qu'en France, écœurant a un sens négatif. Et donc, je n'irai pas dire à Sébastien que je trouve ce petit gâteau écœurant si je veux en obtenir un. Donc, il faut qu'on communique, qu'on s'adapte au contexte du destinataire pour être sûr que les messages sont bien reçus. Et donc, évidemment, si on veut penser la communication, il y a différents paramètres. Je vous en propose quatre. Un premier paramètre, c'est la mise en commun. Quand on communique, on partage ce qui est commun à un groupe. Et donc, dans communiquer, il y a commun. Hein, et c'est cette mise en commun-là qui est opérée par l'acte de communication. Et donc, il y a une pluralité de modes de construction du réel qui sont mis en commun, qui sont communiqués, ce qui fait qu'on va, par exemple, partager une culture. Et donc, on va avoir des partages, évidemment, on va avoir des concessions, des désaccords, un certain consensus, une confiance, etc., qui va permettre la communication. Et puis, ultimement, bien, c'est parce qu'il y a des divergences qu'on va avoir besoin de communiquer pour mettre en commun, pour essayer de se comprendre. Et là, si j'insiste sur ces mots-là, c'est que vous avez compris que la compréhension réciproque va être un point important pour le reste de la présentation. Donc, la mise en commun est un paramètre essentiel de la communication. La relation aussi est un autre paramètre essentiel, c'est-à-dire que l'étymologie de communiquer, c'est vraiment être en relation avec. Oui, il y a un échange d'informations, mais par ces échanges d'informations-là, il y a une mise en relation à l'autre. Donc, communiquer, c'est toujours être en relation avec l'autre. Et donc, Foucault va nous dire, sans doute, communiquer, c'est toujours une certaine manière d'agir sur l'autre ou les autres, parce que lors de la communication, il y a des rapports de pouvoir qui sont exprimés à travers les discours, et les rapports de pouvoir sont évidemment pas vus négativement ou pas nécessairement négativement chez Foucault. Donc, c'est des rapports de pouvoir qui sont nécessaires au sein de notre société et donc vont passer, entre autres, à travers les discours. Un troisième critère, c'est le langage. Donc, oui, il y a un encodage et un décodage de messages. Il y a différents types de langage, hein, linguistique, visuel, cinématographique, vidéoludique, ludique. Et donc, on sait, quand on joue à un jeu vidéo, il y a une organisation codifiée des signes, il y a un langage propre au jeu vidéo qu'un néophyte ne comprendra pas. Et donc, c'est qu'on va utiliser des symboles à plus ou moins grand niveau de symbolique. Là, je ne rentrerai pas, mais par exemple, chez Peirce, tout signe va avoir une part symbolique, même les signes iconiques, par exemple. Donc, il y a toujours un certain rapport arbitraire qui va être stabilisé par la culture. Et donc, il faut connaître le code pour être capable de décoder le langage. Ceci étant dit, le langage est toujours négociable, c'est-à-dire que il y a toujours une mutabilité, une immutabilité du signe, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui va être stable, nous permettant de communiquer, parce que si à chaque fois on réinventait le langage, on ne se comprendrait pas. Et en même temps, bien, on ne communique plus comme au 15e siècle, le français a évolué, donc il y a une évolution du langage. Et le quatrième élément, les paramètres de la communication, l'interprétation. Et donc, étymologiquement, interpréter, c'est révéler. Et donc, l'action d'expliquer, de donner une signification claire, un signe, un ensemble de signes signifiants obscurs, résultat de cette action. Et donc, évidemment, quand il y a interprétation, il y a médiation. Toute opération qui déplace la cause et la représentation, que se forgent, les acteurs d'une réalité. Et donc, il y a médiation lorsqu'on communique, il y a appropriation, parce qu'évidemment, ce n'est pas transmis de manière signalétique, ce ne sont pas des signaux, ce sont des symboles. Et donc, il y a une médiation, une appropriation qui est opérée. Une fois qu'on a vu ces quatre éléments-là, c'est-à-dire la mise en commun, la relation, le langage et l'interprétation, on commence à voir que la communication, ce n'est pas juste un sujet A qui communique à un sujet B, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une convocation d'un troisième terme qui agit comme médiateur au sein de la communication. Et ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est la notion du tiers symbolisant. Évidemment, d'autres notions auraient été possibles pour parler de la médiation. Je vous propose celui-ci, le tiers symbolisant, pour voir qu'entre le sujet A et le sujet B, il y a toujours une médiation qui est opérée. Et donc, le tiers symbolisant, c'est une notion qui a été développée par Louis Quéré.
Et en fait, je suis assez étonnée de voir que c'est un chercheur qui est peu connu, même je crois en Europe, si je me trompe pas, alors que c'est un théoricien de la communication qui est pour moi très, très intéressant. Et donc, un sociologue français, mais qui a donné beaucoup de conférences en Belgique, entre autres. Et donc, je voudrais introduire sa pensée par rapport à son approche de la communication. Et donc, Kéré va faire le constat suivant: l'échange social est interaction entre sujets médiatisée par du symbolique. Donc, suite à ce que je vous ai présenté, c'est assez clair de comprendre qu'il n'y a pas seulement un encodage et un décodage de messages. La communication est plus complexe que ça. Il y a des mécaniques de compréhension. Et quels sont-ils? Mais d'abord, une communication comme une activité de constitution d'une communauté intersubjective, parce que nous nous comprenons ensemble. Et donc, quand nous communiquons, nous créons cette communauté-là ensemble. Mais il y a aussi une réflexivité immanente de l'échange social. Et là, c'est peut-être un peu plus complexe comme idée à comprendre. Je vais essayer de le développer parce que c'est vraiment l'originalité, selon moi, de Kéré par rapport à son approche de la communication. Qu'est-ce que la réflexivité? La réflexivité, c'est la métacommunication, mais ce n'est pas la métacommunication de Bateson. Chez Bateson, avec les fameux petits singes, la métacommunication est placée au-dessus, et donc au-dessus de la communication. Et va donner des indications sur le contenu de la communication, alors que chez Kéré, ce n'est pas un surplomb, ce n'est pas un message au-dessus extérieur, ce n'est pas un message complémentaire à la communication. C'est un survol sans survol qui définit la nature de la médiation symbolique de l'interaction sociale. Et plus précisément, c'est le procès de l'auto-institution du rapport social. C'est parce que nous communiquons que nous sommes en train d'instituer la communauté. Et donc, et en même temps, il y a un processus d'institution de la communauté par la communication qui est inscrit dans la métacommunication. Et donc, le postulat de Kéré, c'est que la communication est une conduite paradoxale. Oui, parce qu'il y a communication et métacommunication. Il y a ce qui est dit, mais aussi, lorsque nous disons quelque chose, nous disons aussi quelque chose sur ce que nous disons. Et donc, il y a toujours quelque chose qui est dit sur ce que nous sommes en train de dire. Et c'est évidemment ça qui va l'intéresser. Il y a deux plans qui sont distincts, on les voit bien, mais qui sont en même temps fusionnés. Donc, communication et métacommunication sont fusionnés, au contraire de chez Bateson, où la métacommunication va être placée au-dessus. Et donc, Kéré va nous dire que la communication ne s'établit qu'à l'aide d'une métacommunication concomitante. C'est reconnaître une division inhérente à l'échange social. Celui-ci, donc l'échange social, pardon, a pour condition de possibilité la création en lui-même d'un écart, d'une distance, d'une différence de plan. Donc, on voit là déjà aussi dans l'interprétation qu'il y a cette mise à distance, à écart, au sein de la communication. Et donc, si on reprend notre schéma de sujet A, et donc il y a une médiation que j'ai mise en jaune qui passe par un tiers symbolisant pour communiquer avec le sujet B. Et donc, rajoutons maintenant la communication, la métacommunication. Et là, vous aurez bien compris que c'est toujours l'avantage et le désavantage des schémas. C'est un avantage pédagogique parce que ça aide à comprendre et un désavantage du point de vue de la complexité de la pensée parce que ça sursimplifie, voire ça peut rendre trompeur les idées. Évidemment, je viens de vous dire que la métacommunication n'est pas au-dessus. Je la mets au-dessus. Il faudrait que j'aurais fait en 3D, là. Et donc, il faudrait penser la métacommunication qui va vers vous. Okay? Donc, imaginez le modèle en 3D. Mais bon, vous avez compris que pour les besoins explicatifs, c'est plus simple de le mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu l'approche de la communication chez Kéré. Et donc, chez Kéré, il y a le contenu propositionnel. Mais il y a la relation interpersonnelle aussi. Donc, quand on communique, il y a non seulement le contenu de la communication, mais la mise en relation avec l'autre. Et donc, il y a deux attitudes et deux actions différentes en même temps. Il y a l'actualisation de systèmes de règles pragmatiques nous permettant de communiquer, mais on fait aussi état de la relation quand on communique. Et donc, s'il y a une maman qui dit à son enfant « va te brosser les dents », bien, il n'y a pas juste le contenu va te brosser les dents, il y a le fait qu'elle actualise la relation mère-enfant, mère aimante, mère qui s'occupe de son enfant, l'enfant reçoit ça, comprend qu'il est dans une situation de sécurité, etc., etc. Si je vais dire
au jeune homme ici devant moi, va te brosser les dents. On comprend que là, il va avoir un certain malaise. Est-ce que je le connais plus que j'en ai l'air? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, là, ça va créer un certain état de relation qui va être confondant. Donc, on comprend bien que par la communication, on est en train de réactualiser des relations. Et donc, cette relation interpersonnelle-là qui va venir avec un certain contexte. Et donc, si on reprend le schéma, on va rajouter désormais le contenu et la relation. Et donc, ce contenu-là de la communication avec la relation va donner des rôles aux deux, à l'émetteur et au récepteur. Et donc, la mère va te brosser les dents et l'enfant qui le reçoit, le contenu de la communication. Et donc, quand on communique, il y a ce positionnement-là. C'est un peu ce qui est dit avec Foucault. Donc ici, il y a un rapport de pouvoir. La mère dit à l'enfant, donne un ordre. Et donc, ça établit des rôles. Mais ces rôles-là sont essentiels. L'enfant a besoin d'un cadre pour bien grandir. Et donc, il y a une double autodétermination. Pardon. Il y a la communication qui indique le type de relation interpersonnelle, on a compris, et la métacommunication qui réduit l'indétermination du contenu. C'est-à-dire, si je dis au jeune homme « va te brosser les dents », là, il manque de métacommunication, il manque un contexte parce qu'on ne comprend pas vraiment là, qu'est-ce qui se passe. Donc, la métacommunication va venir réduire l'indétermination du contenu. C'est par exemple les jeux de rôle dont on fait état Goffman, mais aussi Sartre avec le fameux garçon de café qui va jouer le rôle du garçon de café, qui va savoir quoi dire comme garçon de café et donc qui va avoir des règles qui vont être attendues. Donc si moi je commande un café puis que le garçon de café dit ben va te le chercher, là on sent que les rôles sont pas bien tenus et que là il y a la métacommunication dans ce contexte-là ne fonctionne pas, il y a un problème. Mais sinon il va me dire oui très bien, je vais y aller, bon, etc. Et donc, le résultat, c'est qu'il y a une singularité de la communication qui est propre au contexte lui-même, c'est-à-dire que chaque contexte va être singulier, il n'y aura jamais deux fois le même contexte de communication. Et cette singularisation passe par une sélection dans un répertoire de possibles, elle suppose un choix, c'est-à-dire que le garçon de café peut me dire « oui, je vais aller vous le chercher, mais oui, je vais aller vous le chercher dans 10 minutes, oui, j'allais vous le chercher quand ça va me tenter, oui, je vais vous aller vous le chercher, mais pas ce que vous avez commandé. » Bon, vous avez compris qu'il y a un répertoire de possibles et que lui va faire un choix dans l'acte de communication. Et donc, ça fait référence au pragmatisme de Peirce, où chaque contexte est unique en soi. Et donc, si on reprend notre schéma, on va rajouter désormais le contexte. Donc, en bas, on a le contexte singulier de la communication et en haut, le contexte social de la métacommunication qui va déjà avoir mis un certain nombre de normes, de règles, etc., qui va nous permettre de comprendre la communication, c'est-à-dire le garçon de café, avant de devenir garçon de café, il y a déjà des règles qui existent et qui lui donnent des balises sur ce qu'il peut dire, ce qu'il peut répondre à un client ou non. La même chose avec la mère qui sait qu'est-ce qu'elle doit faire comme bonne mère pour s'occuper de son enfant. Et donc, il y a un paradoxe, c'est-à-dire le paradoxe de l'immanence de la communication et de sa transcendance, c'est-à-dire l'immanence du contexte au moment où il y a communication, mais il y a une transcendance aussi parce qu'il y a plein d'éléments qui sont là avant la communication, qui la transcendent elle-même au moment de la communication. Et donc, Kerry va nous dire, en incorporant lui-même ce moment herméneutique, c'est-à-dire le moment du savoir empirique de la communication et des critères d'interprétation qu'on va avoir, l'échange social se fait le réceptacle d'un méta-message qui le transcende sans le surplomber, qui le précède sans constituer une détermination mécanique. Ce que ça veut dire, oui, tout ce bagage-là est là avant qu'il va y avoir acte de communication. Oui, le serveur a un ensemble de règles qu'il doit suivre pour tenir son rôle dans l'acte de communication. Mais bien sûr, il n'est pas tenu à ce rôle-là. Si lui, aujourd'hui, il en a assez d'être serveur, il peut dire « allez-vous le chercher, partir et c'est fini ». Donc, il n'y a jamais rien qui est cristallisé, qui est fixé. Il y a toujours possibilité d'outrepasser ou de faire autre chose parmi les possibles. Et donc, oui, ça le précède, mais ce n'est pas une détermination mécanique. Et donc, les sujets communiquent et se comprennent que de manière indirecte,
par l'entremise de quelque chose d'objectif qui n'est pas eux-mêmes et qui n'est pas non plus simplement le langage, et quelque chose de plus que le langage. Il y a tout ce cadre-là, toutes ces règles-là, ces normes-là, etc., ce contexte culturel qui viennent baliser la communication. Et donc, le tiers symbolisant agit comme médiation. Il est le produit d'une activité sociale d'auto-institution, parce que, comme on l'a vu, c'est parce que nous communiquons que nous créons la communauté, parce que nous échangeons, parce que nous comprenons qu'au fur et à mesure, nous faisons partie d'une communauté. Et donc, il y a deux plans distincts mais fusionnés. Là, c'est un petit peu plus complexe, là, ces deux éléments-là, mais ils sont quand même essentiels pour bien comprendre la pensée, puis la complexité et la subtilité de la pensée de Kéré. Mais il y a les modèles culturels. Donc là, vous commencez à voir un petit peu en quoi les modèles culturels vont venir informer la communication. Et il y a les garants métasociaux de la réflexivité, ce qui fait que la communication se regarde tout le temps. Il y a une réflexivité, et ce qui fait qu'elle va évoluer. Et donc, ces deux éléments-là, encore une fois, le schéma ne permet pas de bien les représenter, mais ils fonctionnent ensemble, mais de manière séparée, de manière paradoxale, comme le dit Kéré. Et donc, qu'est-ce que sont les modèles culturels? Les systèmes de règles d'énonciation, les jeux de rôle, les normes d'action, les schèmes de perception, de classement, etc., qui précèdent la communication, parce que je fais partie d'une communauté qui a déjà ces normes de communication. Les garants métasociaux de la réflexivité, un petit peu plus complexes, sont constitués d'éléments qui informent le travail d'interprétation, donc qui vont venir déjà baliser le travail d'information en fournissant ce support par un acte paradoxal de distanciation et d'objectivation du rapport social dans un dehors d'où il se voit et se définit, parce que déjà il y a ce regard auto-réflexif par rapport à la situation, par rapport à la relation. Communiquer, comme je vous l'ai dit, c'est une mise en relation des gens. Donc, il y a ce rapport-là auto-réflexif qui est garanti par les garants métasociaux de la réflexivité. Donc, si on reprend le schéma, on rajoute les garants métasociaux et les modèles culturels qui vont venir je peux pas dire au-dessus, mais qui vont être intrinsèques à la communication. Et donc, le tiers symbolisant est fait de ces garants métasociaux et de ces modèles culturels. Donc, ce n'est pas juste le langage, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, qui vont venir intervenir lors de la communication. Et donc, deux plans nécessaires et déterminants. Il y a une certaine forme de détermination parce que toutes ces normes-là, ces cadres-là, ces garants-là sont avant la communication. Mais jamais essentiel et déterminé. Comme je l'ai dit, il y a toujours une part d'indétermination, ne serait-ce que par l'interprétation, la médiation. Donc, il y a toujours une part de création possible et de choix, de nouveaux choix qui peut s'opérer pour les locuteurs. Et donc, si ça, ce n'était pas possible, ben on serait comme les petites poupées là, des enfants qui « Maman, j'ai faim. Maman, je veux boire. Maman, je suis fatiguée. Maman, j'ai faim. Maman, je veux boire. Maman. » Et donc, on serait en boucle comme ça. Pourquoi nous ne sommes pas en boucle? Ben c'est parce qu'il y a toujours une marge d'indétermination, ce qui rend évidemment les rapports sociaux complexes, mais intéressants aussi. C'est là où il faut communiquer pour arriver à comprendre les divergences, c'est cette part d'indétermination. Et donc, c'est une élaboration collective permanente des conditions de mise en forme du rapport social. On est toujours en train de négocier les rapports sociaux, et donc c'est à travers la communication que ça va s'opérer. Et le tiers symbolisant agit comme un principe actif, donc actif dans le sens qu'il faut qu'il soit actualisé. Il est dynamique, vous avez vu, parce qu'il peut être renouvelé. Il est institué, il est déjà là, mais il est instituant aussi de la communication. Et c'est un processus historique. Ce que ça veut dire, c'est juste que parce qu'il y a une part d'indétermination, bien, il va évoluer. Et donc, la langue, par exemple, qui est un exemple facile à comprendre, va évoluer au fil des siècles. Mais c'est la même chose. Il va avoir un processus historique dans tout acte communicationnel.
Et donc, si on reprend encore une fois le schéma, on rajoute ici le contexte singulier. Et donc, le contexte singulier va aller alimenter le tiers symbolisant, parce que quand on communique puis on introduit la nouveauté, ça va aller évidemment s'ajouter au tiers symbolisant. On va venir le transformer, le renouveler plus ou moins, de manière plus ou moins grande. Et évidemment, la métacommunication, les garants métasociaux, modèles culturels vont venir jouer un rôle dans un contexte singulier de communication. Okay? Donc, on voit comme ça comment ça évolue, puis comment on est influencé, mais qu'on peut aussi influencer notre communauté, par exemple. Et donc, il y a une historicité, un échange concret n'est jamais qu'une fraction de ce qu'il pourrait être dans les limites de la capacité opératoire d'une structure. Vous l'avez compris, il y a du jeu dans l'interprétation, il y a du jeu dans la communication. Mais ça serait l'objet d'une autre communication, mais j'ai toujours dit que l'interprétation et le jeu sont très, très proches, très similaires. Et donc, il y a un surplus, et Quéry utilise vraiment le mot surplus, mais il ne faut pas le comprendre comme un trop. Ce n'est pas un trop, c'est plutôt une source de possibilités de choix. Quand on fait un choix, il va toujours en rester d'autres, il va toujours y avoir un surplus qui va demeurer. Et donc, c'est l'idée en arrière du surplus. Évidemment, il y a deux postures possibles par rapport au surplus. Le surplus disponible est créé et soit explicité, thématisé, objectivé de façon à rendre sensible des possibilités de choix et d'alternatives, c'est-à-dire que le tiers symbolisant est transformé par l'action des sujets sociaux. Il est plurivoque. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Il est plurivoque, il y a une diversité, tout ça, et on va en choisir seulement un, mais on sait qu'il y a beaucoup de choix, et donc il y a une part de création, une part de liberté d'interprétation qui va être présente. De l'autre côté, l'autre posture possible, encore une fois, hein, c'est des dichotomies, hein, mais le surplus est occulté, dénié, refoulé, de façon que seuls soient actualisés les possibles déjà singularisés. On est plutôt dans l'ordre de la répétition. Le tiers symbolisant est hors de portée des sujets sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a peu de choix, on énonce peu de choix, on en choisit un, et donc on répète, et donc on a peu de marge de liberté, peu de marge interprétative, et donc on peut difficilement venir ajouter, hein, vous vous souvenez la flèche bleue, là, venir modifier le tiers symbolisant, puisqu'on est dans une posture de répétition, on fait juste répéter ce qu'il y a, et donc il est univoque, pas de marge à l'interprétation. Et donc, ici, cette idée-là du surplus est illustrée par les deux flèches complètement à gauche. Donc, dans un cas, la petite flèche mauve, bien évidemment, c'est quand le surplus n'est pas explicité et donc il y a peu de choix. Donc, le renvoi au tiers symbolisant est petit, alors que s'il y a beaucoup de choix, qu'il est explicité, énoncé, alors là, le renvoi, donc une modification du tiers symbolisant de la part des locuteurs qui est beaucoup plus grand. On peut agir sur notre société, on peut agir sur le tiers symbolisant. Et donc, la synthèse, le tiers symbolisant est un principe réflexif, là, vous l'avez compris. Il est paradoxal parce qu'il est à la fois immanent et transcendant au moment de la communication. C'est un médiateur et il y a toujours un surplus lors de la communication. Ses fonctions, ben, il agit comme des modèles culturels avec des garants métasociaux qui actualisent un système de règles pragmatiques, celui de la communication, qui donne des indications sur le type de relation interpersonnelle que je vais avoir, va réduire l'indétermination du contenu, vu le contexte où c'est opéré, et va dire quelque chose sur ce qui est dit. Donc voilà, ça c'est l'approche du tiers symbolisant de Quéry. Maintenant que je vous ai mis le cadre théorique, on va essayer de voir comment on peut l'appliquer avec la ludification. Qu'est-ce que cette approche-là peut nous dire de la communication? Et donc, on a vu que l'activité communicationnelle est toujours médiatisée par des dispositifs. Ces dispositifs, là, c'est dans un sens très large, hein, le mot dispositif, sont des médiations. Ces dispositifs peuvent user de stratégies ludification. La ludification peut être vue comme un langage. Dans un contexte communicationnel, il n'y a pas juste le sujet A qui va directement au sujet B. Il y a le sujet A, le langage ludifié, qui passe par un tiers symbolisant. Donc, l'idée défendue aujourd'hui, c'est d'essayer de voir que la ludification behaviorale, en fait, le principe du tiers symbolisant est restreint, alors que lorsqu'on communique avec la ludification créatrice, le principe du tiers symbolisant est renouvelé.
Et donc, si on regarde avec les fonctions du tiers symbolisant, là, je suis très consciente que c'est très dense. Je vais vous les lire, mais après, on va retenir une idée principale. Vous allez comprendre qu'on va pouvoir travailler avec une idée principale. Mais les modèles culturels, ben, pour la ludification behaviorale, les normes d'action sont restreintes et les rôles sont prédéterminés. Ça informe largement le travail. Là, je vous lis juste la dernière colonne. Ça informe largement le travail interprétatif. Il y a l'actualisation d'un système de règles très contraignante. Il y a un conditionnement d'une relation, voire une instrumentalisation. Ça va réduire le plus possible l'indétermination du contenu et une conception limitée de l'être humain. Donc, on voit avec l'utilisation, par exemple, des DRMIs ou de tout système de points, bien, qu'il n'y a pas beaucoup d'interprétation qui est possible. Il y a un conditionnement d'une relation. Je suis un marchand, tu es un client. Je suis en train de te conditionner. Tu n'as pas grand-chose à faire à partir de là. Et donc, c'est des règles qui sont très contraignantes. Et qui prédétermine déjà une relation, voire qui instrumentalise une relation. Okay? Évidemment, vous avez compris qu'avec la ludification créatrice, bien, on va à l'opposé. Et donc, des normes d'action qui vont être en co-construction avec des rôles à redéfinir. Ça va informer peu le travail interprétatif, donc laisser beaucoup de marge à l'interprète pour faire son interprétation. L'actualisation d'un système de règles peu contraignante, des relations ouvertes, voire la création de nouvelles relations au sein d'une dynamique ludique. Réduire le moins possible l'indétermination du contenu, c'est-à-dire favoriser l'indétermination du contenu, et donc une conception créatrice de l'être humain. Ici, j'ai mis des dés et des pions parce que, évidemment, avec des dés, on peut inventer des jeux à l'infini. Un exemple qui peut vraiment très bien illustrer, je ne sais pas, vous avez déjà vu un enfant de 3, 4, 5 ans ouvrir une boîte d'un jeu de société et de tout réinventer les règles et là de dire « Papa, toi, tu vas faire ça » et que là, ben, évidemment, c'est un jeu qui est inventé. Papa se met en position de domination et donc là, il y a un renversement des rôles, tout est possible. À chaque tour, les règles sont réinventées et on suit ce que l'enfant est en train de faire et donc là, c'est vraiment, ce serait un bon exemple d'une ludification créatrice où là tout est possible et même les rôles sont redéfinis parce que papa ou maman doit être dirigé par l'enfant. Et donc, vous l'avez compris, la ludification behaviorale, le principe du tiers symbolisant est restreint, il est contraint, prédéterminé, il y a peu de surplus interprétatif. Je vous rappelais la définition de ce surplus-là. Et donc, avec les Hermes, ça devient d'autant plus évident que le principe du tiers symbolisant est restreint. Et donc, il est hors de portée des sujets sociaux. Les clients avec qui on communique n'ont aucun pouvoir pour changer la relation de communication avec l'entreprise. Et donc, c'est hors de portée de la clientèle de répondre à ce message ludifié-là. De l'autre côté, la ludication créatrice, le principe du tiers symbolisant est renouvelé, il est ouvert, indéterminé, il y a beaucoup plus de surplus interprétatif. Et donc, vous l'avez vu ici, le tiers symbolisant est transformé par l'action des sujets sociaux. On est en train de réinventer des nouveaux possibles, des nouvelles significations au dé ou au pion ou à la relation avec papa, maman, etc. Et donc, le surplus, il y a deux postures sociales pour comprendre le monde, être déterminé ou être indéterminé. C'est ce que Kéré travaille dans Des miroirs équivoques. Et donc, lui va poser la question, pas dans ces termes-là, mais va nous dire, bon, que nous dit notre rapport au tiers symbolisant de nous-mêmes? Lui va travailler sur l'étude de l'espace public et des médias grâce à ce concept-là. De mon côté, j'essaie de voir, de faire l'étude de l'utilisation de la ludification avec la notion, le concept de tiers symbolisant. Et donc, communiquer avec le langage de la ludification behaviorale. Ici, là, vous connaissez toutes les plateformes. Ici, c'est pour faire du management d'employés. Et donc, on fait des plateformes où là, on va vraiment faire la surveillance sur la performance de l'employé. Il va recevoir des points, des accomplissements avec tout un système. Il va avoir des classements pour une mise en compétition entre les employés, etc. Et donc, ce type de plateforme-là, il y en a des tonnes, en fait, qui ont été mises sur le marché.
si on le regarde d'un point de vue communicationnel, bien, on comprend que du point de vue de la mise en commun, il y a un débalancement du rapport social. C'est l'employeur, l'employé. Il n'y a pas beaucoup de négociations possibles quand la communication passe à travers ce type de dispositif, de plateforme-là. La relation, c'est celle d'un conditionnement parce qu'évidemment, on veut augmenter la productivité de l'employé. C'est très peu négociable, c'est-à-dire que les plateformes sont souvent très rigides et l'interprétation est contrainte. Il n'y a pas beaucoup de marge qui est laissée à l'employé pour interpréter son rôle au sein de l'entreprise quand c'est figé à travers ce type de dispositif-là. Et donc, du côté du tiers symbolisant, il est hors de portée des sujets sociaux. Évidemment, les employés ne peuvent pas intervenir sur le dispositif et la vision des employeurs. Le surplus, on occulte les possibles. Voici ce qui est. Il faut rentrer dans ce genre de dispositif-là. Il est univoque, peu d'espace d'appropriation, peu de distanciation possible du sujet, donc peu de distanciation possible de la part de l'employé par rapport à ce dispositif-là intégré au sein de son milieu de travail. De l'autre côté, communiquer avec le langage, la ludification créative, bien évidemment, ça fait référence au New Games Movement là, des années 60-70, où là, on est dans le mouvement Peace and Love, Rébellion, etc. Il y a la guerre, on commence à prendre conscience des problèmes environnementaux et on essaie de déconstruire un petit peu les rapports sociaux, justement en réinventant des stratégies ludiques pour repenser les relations sociales, puis le rapport au monde. Et donc, il y a eu toutes sortes de propositions qui ont été faites, toutes sortes d'expérimentations même. Mais un des premiers jeux reconnus est celui de Slaughter, en fait. C'est, c'est du vent. Ah, c'est du vent. OK, très bien. Et donc, le principe est simple, c'est impressionnant. Surtout quand j'ai dit Slaughter, ça crée une ambiance. Et donc, c'est empêcher un ballon qui est peint en terre, la planète Terre, là, de sortir du ring en poussant tous et en rétablissant toujours les forces. Et donc, on voit que, symboliquement, évidemment, c'est la planète Terre. On est dans les années 60-70 avec tout le mouvement Peace and Love, etc. On est tous en groupe, on est tous ensemble, c'est de manière commune, on arrive à atteindre les objectifs, mais on pourrait repenser, on n'a pas juste à faire ça avec les mains, on pourrait se coucher, y aller avec les pieds, on pourrait se mettre assis, on pourrait, il y a toutes sortes de possibilités parce que c'est une règle très simple, on pourrait en mettre un sur notre dos, on pourrait, etc., etc. Et donc, tout est possible à travers ça et donc ça demeure très ouvert et les relations aussi entre les individus peuvent être pensées parce que il n'y a pas de hiérarchie sociale, il n'y a pas de différenciation des sexes, les enfants peuvent jouer, les personnes âgées peuvent jouer, etc., etc. Bon, vous avez compris c'est l'idée qui est en arrière. Donc, évidemment, du point de vue de la communication, bien, il y a un balancement du rapport social, justement, parce que les rôles peuvent être renversés de manière indistincte. C'est des relations ouvertes parce qu'on peut réinventer. Le langage est négociable parce qu'à tout moment, on peut s'imposer une règle, c'est-à-dire de se coucher à terre pour que le ballon ne tombe pas. L'interprétation est libre parce qu'évidemment, avec la planète Terre comme ballon, bien, on peut le voir de diverses manières. Qu'est-ce qu'on est en train de performer au moment de cet acte de communication-là? Le tiers symbolisant est transformé par l'action des sujets sociaux, c'est-à-dire qu'il y a un surplus qui est explicité. Quel sens tu es en train de donner? Est-ce que c'est juste un sens de révolte envers le système capitaliste? Est-ce que c'est un sentiment de communautaire? Est-ce que c'est un sentiment de protestation envers la pollution, etc., etc.? Tout est possible, c'est plurivoque, il y a un espace d'appropriation qui est virtuellement très large et une grande distanciation possible du sujet par rapport à l'acte de communication. Donc, évidemment, là, j'ai l'air de présenter une vision très dichotomique, la méchante ludification behaviorale et la belle, utopique ludification créatrice. Évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Ça serait beaucoup trop facile et plate, en fait. Et donc, évidemment, c'est plus complexe que ça quand on communique. Et donc, évidemment, Rigby va nous dire « Is the common belief that intrinsic motivation represents good motivation and extrinsic motivation represents bad motivation truly accurate? » C'est la question que je vous pose en terminant. Ici, l'exemple de Classcraft, un projet de recherche
recherche sur laquelle je travaille. Et donc, ici, c'est une plateforme de ludification de la gestion de la classe. Donc, ce n'est pas le contenu, mais c'est la gestion de la classe. Et donc, c'est pour assurer une motivation auprès des enfants pour faire leurs travaux, etc. Donc, ils ont des avatars qui ont des points, qui ont des accomplissements, etc., des pouvoirs qu'ils peuvent débarrer. Et donc, oui, ça utilise la ludification behaviorale. Il y a une certaine forme de conditionnement, mais qui est évidemment nécessaire. Les enfants ont besoin d'un certain cadre. Cet type de motivation-là va fonctionner. Peut-être pas pour tous les enfants, j'en conviens, mais pour un certain type d'enfant, ça va être très motivant. Et ils ont besoin de ce cadre-là, que ça soit très clair, de savoir est-ce qu'ils sont en situation d'apprentissage, est-ce que je vais dans la bonne direction. Et donc, évidemment, la ludification behaviorale est essentielle. Et il y a une part de ludification créatrice, mais la plateforme, sans rentrer dans les détails, va être le moteur de départ pour une ludification créatrice en classe qui va excéder la plateforme. Et donc, il y a toutes sortes d'activités autour. Il va faire plus appel à la ludification créatrice. Mais au sein de la plateforme, c'est de la ludification behaviorale et c'est tant mieux parce que ça fonctionne très bien. Et donc, c'est pas la méchante ludification behaviorale. De l'autre côté, ici, une campagne de publicité qui a eu lieu dans un gros festival à Montréal qui s'appelle Oceaga. Et donc, la Spark de Toyota, une voiture, en fait, c'est un concours pour faire la publicité. Puis, en rentrant sur le lieu du festival, les gens recevaient un bracelet d'une certaine couleur avec un numéro. Et si tu arrivais à trouver quelqu'un d'autre dans le festival qui avait le même bracelet, je me souviens plus du ratio, là, mais c'était pas facile de se retrouver, bien là, les deux ensemble pouvaient aller à un kiosque et avoir une chance de gagner la voiture. Et en fait, le succès a été tellement dépassé. Moi, je le connais parce que je connais c'était une de mes anciens étudiants qui ont fait la campagne de publicité. Donc, j'ai su de l'intérieur. Et ça a largement dépassé leurs espérances parce que les gens ont été hyper créatifs pour se retrouver. Ils sont allés évidemment sur les médias sociaux numériques, ils ont fait des pancartes, ils ont fait des vidéos, ils ont fait toutes sortes de choses. Et donc, là, on n'était pas juste dans de la ludification behaviorale de la publicité, on était vraiment dans une ludification créatrice où, avec peu de règles, un bracelet que tu dois retrouver, les gens se sont vraiment appropriés ce dispositif-là. On fait des rencontres et donc on voit plusieurs photos. Il y a peut-être des gens qui sont encore en contact suite à une rencontre qu'ils ont eue lors du festival. Et donc, en fait, ça a créé des liens sociaux, des relations entre les gens dans un contexte de marketing. Mais là, évidemment, on comprend que si le marketing est en train de créer des liens sociaux, dans le cadre d'une ludification créatrice, bien là, si on reprend le schéma, bien là, on comprend que le contexte singulier, qui est le contexte de marketing au sein duquel on a fait des rapports sociaux, va aller influencer le tiers symbolisant. Et là, on commence à comprendre comment, tranquillement, le néolibéralisme s'est, inscrit dans nos rapports sociaux, puis qu'à un moment donné, on ne fait même plus la différence. Et ce qui fait que, je ne sais pas ici en Europe, mais nous, au Québec, ce n'est plus des étudiants, c'est de la clientèle. Ce n'est plus des patients, c'est de la clientèle. Ce n'est plus des enfants à l'école, c'est de la clientèle. Et finalement, on est tous rendus des clients. Et la logique clientéliste, par exemple, c'est immiscé dans le tiers symbolisant et fait partie désormais de nos rapports sociaux et de la manière dont on va communiquer aux autres. Mon petit pamphlet, juste avant de terminer. Et donc, pour terminer, bien, vous aurez compris qu'avec ce cadre-là, ce cadre théorique-là pour étudier la ludification ou le jeu, bien, on peut se poser des questions, évidemment, qui sont non exhaustives. Comment agit le tiers symbolisant dans l'acte communicationnel lorsque le langage de la ludification est utilisé? Que communique-t-on de plus que le contenu de la communication lorsque le langage de l'éducation est utilisé? Quelle idée de l'autre est véhiculée? Hein? Quel type de relation on est en train d'instituer lorsque le langage de l'éducation est utilisé? Quel type de médiation est informé par le langage de l'éducation utilisé? Quel type d'écart, de distance, etc.? Vous aurez compris, j'ai essayé de positionner un certain nombre de concepts dont on va faire état tout au long de ce colloque. Merci.